Salut à tutti, je suis ravie de vous retrouver dans l'actualité. La libération de la Corse, il y a 80 ans, la région était le premier territoire français libéré. Une libération célébrée hier à Ajaccio, mais également à Zonza, où un musée de la résistance rouvrira ses portes en fin de semaine. Un événement pour le devoir de mémoire. Et puis, convivialité et partage autour d'un jeu emblématique à Bastia, sur la place du marché. Les dimanches estivaux sont marqués par Agüina di Umerca. Cela permet de profiter en famille de ce jeu emblématique. Mais avant cela, le jour d'après au Maroc, 36 heures après le séisme qui a tué plus de 2000 personnes, de nombreux habitants ont passé la nuit dehors et ils commencent à enterrer leurs morts. Les sauveteurs s'activent pour récupérer les survivants. Les 48 premières heures sont cruciales. Et un drame humain qui résonne dans notre île où la communauté marocaine est la première communauté étrangère. Nous avons recueilli le témoignage de personnes originaires du Maroc, de milieux associatifs qui vivent en Corse et qui partagent ce deuil bien que leur famille soit loin de l'épicentre. Voilà, écoutez. Ça c'est moi j'étais dans le sommeil. Ouais. Et ils sont fermés. Ouais. J'entends la table qui danse. La table qui danse très fort. Ouais. Je vois la lampe qui bouge aussi, je dis ça c'est le tremblement de terre, j'ai sorti en courant. T'es sorti de la maison? Ça dirait, ouais, ça dirait 15 à 26 quoi. Ouais, du coup, là j'ai vu à la télé que les gens ils s'organisaient pour aller donner leur sang. Oui, oh, y en a beaucoup, oui, y en a sans trop. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Y en a beaucoup qui donnent le sang, ah oui, obligé ça. Mais c'est comment? C'est dans tous les villages? Ouais, les villages, tout le Maroc, c'est pas le village, tout le Maroc, ils donnent le sang pour les malades, les blessés et tout. Tu regardes la télé, comment tu les as ces informations? Je regarde chez les amis. Tu regardes, ouais? Ah d'accord, ok. Dans les cafés, dans le tour, oui. Dans les cafés et tout ça, et ouais, tout le monde parle de ça, au fait. Ouais, ok. Oui, arrête pas de parler de ça. Ouais. Bon, ça va, papa. Écoute, je t'embrasse et je t'appelle après. On est connecté à la télé, surtout sur la chaîne Al Jazeera, qui transmet ça en direct, bien sûr, minute par minute. Et aussi les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a les réseaux sociaux aussi, hein, sur Facebook, sur d'autres réseaux, sur WhatsApp. On communique aussi beaucoup avec les familles, avec les gens sur place, bien sûr. On est inquiète que ça va encore se... qu'il y aura encore des secousses, parce que c'est vrai qu'il a frappé une fois, mais les gens, ils ont peur que ça va frapper encore. Je vous en parlais au début de cette édition, les 80 ans de la libération de la Corse célébrée hier à Ajaccio, première ville française libérée le 9 septembre 1943, après des cérémonies officielles et avant un bal populaire. Vous le voyez, un défilé de voitures militaires s'est déroulé dans la cité impériale. 110 personnes venues de Corse, mais également d'Europe, Belgique, Royaume-Uni ou Espagne étaient ainsi représentées. Et la libération de la Corse, qui était également célébrée hier à Zonza, le village dont le musée de la résistance rouvrira en fin de semaine ses portes, a voulu marquer l'événement avec d'ores et déjà des illuminations nocturnes qui rappellent cette période de l'histoire. Pour le devoir de mémoire, le reportage de Céline Lerouxel et Marion Fiamme. La bataille de Lévis ouvre le chemin de la libération. C'était il y a 80 ans. Les maquisards, racontés par Antoine Thiosi, ne cherchaient pas à être des héros. Ils étaient simplement des hommes, soucieux de se battre pour leur liberté d'être et de penser. Il y a dans l'âme corse cette volonté de résister à des valeurs qui sont contraires à l'accaparation de la liberté, qui sont contraires à ce qui peut être la coercition, la violence et toutes ces formes, je dirais, obscures. Et de là, entretenir le devoir de mémoire devient une priorité à l'heure où les témoins directs de ce morceau d'histoire disparaissent et où une jeunesse doit s'approprier le terme de résistant. C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour sa nation, qui est capable de la défendre, qui l'aime plus que tout. Dans l'Alta Rocca, chaque habitant ou presque a une histoire de famille en prise directe avec la résistance. L'artiste Stéphane de Guilaine, lui, avait un grand-oncle qui débardait le Liège. L'œuvre dévoilée illustre son action. À l'époque, il faisait partie de la résistance. Et pour acheminer les armes qu'il récupérait dans les containers dans le massif de Cagnes, ils utilisaient les camions de Liège. Les armes étaient dissimulées dans les camions de Liège. Donc c'est pour ça que, au départ, le concept, j'ai réalisé
j'ai montré un morceau de liège sur une face de la sculpture, que là je vais vous dévoiler. Et là voilà l'action commune à tous les maquisards, celle de prendre les armes, taillées ici dans le noyer. À Zons, le musée de la Résistance rouvrira prochainement ses portes, enrichies de tous les objets collectés auprès des descendants de maquisards, comme la famille de Ribeilo. Nous avions des photos, nous avons pu transmettre. Nous avons aussi, il avait été cité par De Gaulle, par le général De Gaulle, comme étant le plus illustre patriote de Corse pour l'année 1943. Donc nous avions aussi quand même cette archive qui est assez exceptionnelle. Nous avions une médaille, voilà. Donc certaines choses que nous avons pu remettre au musée. La Résistance a mis en lumière les visages de ces hommes et de ces femmes dont l'Alta Rocca a célébré hier l'héroïsme, avec un vœu au moment du souvenir, que les projets d'aujourd'hui donnent du sens à leur sacrifice. Du sport pour le grand retour du basket corse chez les hommes au niveau national. L'ACA recevait samedi soir au Rossigne la formation de Terre Froide venant de l'Isère devant une belle affluence avec près de 500 spectateurs. Les hommes de Bruno Emmanuel y voulaient frapper fort d'entrée. Après une belle première période où l'ACA menait 33-28, les blancs et rouges se sont finalement inclinés de 3 petits points, 65-62. Et eux étaient la semaine passée sur notre sol, à Bigouglia et en Balagne. Les Springboks débutent aujourd'hui leur Coupe du Monde, une rencontre contre l'Écosse, qui au Vélodrome de Marseille se déroulera à 17h. Ce sera d'ailleurs à retrouver sur France 2, l'équipe de rugby sud-africaine qui a affirmé bien entendu jouer pour son peuple, mais aussi pour les Corses dont l'accueil les a pleinement satisfaits. C'est l'une des traditions estivales, une tranche de vie conviviale à Guinadio Merca, organisée le dimanche, place du marché à Bastia. Un événement qui permet de profiter en famille de ce jeu emblématique. Plus qu'un simple loisir, un vrai phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Les précisions de Laura Roudeau avec Thomas Imbert. 71. Concentration au maximum ce dimanche, place du marché. À chaque chiffre annoncé en français puis en corse. Il faut vérifier la grille de chaque potentiel gagnant. D'accord. En espérant que vous n'êtes pas trompé. 5, 9, 10. Bingo, les chiffres sont bons. C'est jour de chance pour cette Bastiaise. Pour beaucoup ici, l'essentiel n'est pas de remporter des lots, mais de recréer l'esprit du village au temps des anciens. C'était notre jeunesse. Et après, ça s'est arrêté, nos vieux ont décédé, et maintenant ça reprend. Ici, on y vient en famille, et la relève est assurée. Moi, j'aime bien m'amuser en remplissant un carton et en trouvant les nombres. Moi, surtout gagner. Chaque édition est un succès. Ils étaient près de 300 participants ce dimanche, contre 200 l'an passé. Un événement qui serait impossible sans l'énergie des bénévoles. On est prêt pour les lots. Anna, pour le tirage, on est prêt. Ça fait depuis 2017 que la traditionnelle Guinadio Merca a lieu le premier ou le deuxième dimanche de septembre. C'est une tradition pour nous. C'est une tradition qu'avaient nos anciens avant. Et c'est pour ça qu'on a voulu, l'association, faire en partie la Guinadio Merca. Après, on a d'autres événements au courant de l'année qui marquent bien les traditions du marché. Encore une fois, et c'est toute association qui met la main à la pâte. L'association peut aussi compter sur la générosité des commerçants bastiais et des entreprises insulaires qui, pour ce loto citoyen, ont offert près de 4 500 € de lots. Et c'est déjà la fin de cette édition qui, vous l'aurez compris, se tiendra désormais le dimanche à 12h35. Retour de l'info 19h à Ring Radia. Un bon appétit, les abras toutes.